Donc salut à tous, c'est Ayoun. Je vous fais une nouvelle vidéo pour Taco Taco, une review lentille, mais aussi pour vous présenter mes autres lentilles que j'ai achetées, même si finalement c'est les mêmes que la dernière fois, suite à un petit incident, donc je ne sais pas si j'avais pas mis assez de produits ou s'ils n'allaient pas, mais j'ai deux paires de lentilles qui ont séché, donc ce sont les GEO Color 9 Red et les Vassen Miranda Violette. Donc je les ai rachetés et grâce à l'offre de acheter une offerte chez Solution Lentille, j'ai pu acheter une troisième paire. Ce sont donc les GEO Aster Bleu qui sont aussi nommés WTC12. Pourquoi j'ai acheté celle-ci? Parce que les bleus que j'avais, c'était les Color 9, ne se voyaient pas assez sur mon œil et je ne ferai pas de review parce que désormais elles sont périmées et je préfère pas les mettre. Donc voilà, j'en ai profité pour changer de marque. Complètement. Donc j'ai reçu un petit paquet comme ça, comme la dernière fois. Quand on ouvre, on a quoi? On a un petit stylo très mignon, ainsi que des boucles d'oreilles. Voilà. Mais aussi des étuis. Donc ça a été les mêmes étuis que la dernière fois, sauf pour un. J'ai eu une très bonne surprise parce qu'il est adorable. Et en plus, donc voilà, on reçoit les lentilles souvent de petites bouteilles, qui sont des horreurs à ouvrir, je vous le précise parce que c'est tout à fait ça, et qu'on met 3 ans pour les ouvrir, pour ensuite les mettre dans des petits étuis. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les GEO Aster Bleu, comme je vous ai dit, qui font 15 mm et qui ressemblent à ça dans la boîte. C'est super joli, je les ai prises entre autres parce que la couleur avait l'air de bien sortir, mais aussi parce que le design est vraiment joli. Bon voilà. Donc voilà, j'ai enfilé une seule lentille pour vous montrer la différence de taille et de couleur avec mes yeux qui sont verts. Donc ces lentilles sont bleues, ça se voit pas trop, je vais essayer de m'approcher. Voilà. La taille se voit par contre vraiment beaucoup, c'est des 15 mm et mon premier réflexe quand je l'ai mise, ça a été de dire « Oh mon dieu, c'est trop mignon !» Donc voilà, j'ai mis ma deuxième lentille pour que vous voyez ce que ça donne. Et maintenant je vais passer à ce que j'en pense. Donc en commençant par la couleur. Donc j'ai été un peu déçue, j'avoue, je m'approche comme ça vous verrez mieux. Parce que là il faut savoir que je suis devant une fenêtre et la couleur n'est quand même pas assez floue et elle apparaît un petit peu sombre par rapport à ce à quoi je m'attendais. Maintenant à voir avec les flashs ou en convention, mais pour le moment je suis contente, bien qu'étant quand même un petit peu déçue puisque c'est un bleu mais pas aussi fluo en fait que ce que je voulais. Donc je mettrai 6,5 sur 10. Concernant l'opacité, là j'en suis contente. Concernant la taille, c'est du 15 mm, donc là j'ai rien à redire, 10 sur 10, puisque c'est la taille que je prends pour à peu près toutes mes lentilles en fait. J'ai commencé progressivement par du 14,2 je crois, et maintenant je prends du 15 pour toutes. Alors pourquoi? Parce que c'est presque le standard en fait des lentilles et que c'est ce que l'on trouve le plus souvent. Et que en fait je trouve que c'est un bon compromis entre ce que l'on sent et ce qui ressort en fait, puisque ça fait quand même des yeux qui font un peu poupée avec un bon maquillage et ça fait pas non plus grosse bête de foire. Et en dernier, concernant la sensation, je vais avoir un avis différent pour les deux lentilles. Je sais pas si c'est un problème de conception ou alors c'est moi qui les analyse, mais mon œil droit ne me fait absolument pas mal, j'ai juste senti la lentille quand je l'ai enfilée, alors que mon œil gauche, je le sens depuis tout à l'heure, à chaque fois que je cligne des yeux et autres, ça me fait pas mal, mais c'est quand même un peu embêtant de la sentir, sachant que je l'ai déjà replacée, mais c'est peut-être moi qui l'ai mal placée, j'essaierai la prochaine fois de changer ou autre. En tout cas, si c'est comme la droite, je ne ressens absolument rien, je n'ai pas l'impression de porter de lentilles. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à regarder mon ancienne vidéo qui est la review des GEO Color 9 Rouge, que j'ai racheté tellement je les aimais. Et je vous invite aussi à suivre Taco Taco sur sa page Facebook et aussi ma page Facebook qui est Ayunian Cosplay, afin de retrouver toutes les actualités par rapport à mes vidéos et aussi la question prochaine qui sera de choisir la prochaine paire de lentilles dont je vais faire la review. Merci beaucoup.